Il y a tout de même assez de restes pour savoir qu'on est dans un bâtiment qui a été fait pour être une synagogue. Il reste tout de même la forme de là où on mettait les tables de la loi, le cœur, et puis les ouvertures. Les ouvertures sont tout de même la signature de ce qui était un bâtiment religieux à l'époque. C'est une synagogue, c'est l'histoire d'une communauté juive au sein d'un village, ça c'est absolument indéniable, mais c'est aussi un village de France qui, justement, à cette époque-là, a accueilli une communauté qui ne demandait pas autre chose sûrement que de s'intégrer, mais qui a gardé son identité, c'est aussi tout ça. Et c'est aussi les personnalités qui en ont émergé. Est-ce qu'il faut être juif pour s'intéresser à la synagogue de Haussmann? C'est amusant que vous me la posiez à moi. Alors, je vais tout de suite vous répondre. Est-ce qu'il faut être catholique pour admirer les peintures du Vatican? Bon, je ne suis pas juive, je participe à la communauté, mais j'ai toujours entendu dire, mon mari, un homme est un homme. Voilà. Rien ne s'efface, tout survit. Hier à demain vient se coudre, le chemin garde dans sa poudre le pas de ceux qui l'ont suivi.